6 octobre 2023. Nouvelle la tombée tant qu'on bombe. Atis influencé à sensation extrême, Jimmy Danger mourit. Depuis les réseaux sociaux enflammés à gros débat. C'est un monde attristé et au quoi. Et il y a l'autre qui est sceptique, c'est Saint Thomas, c'est le Yahweh à quoi. Qui ça qui passait exactement? Est-ce que Jimmy Danger mourit ou bien est-ce qu'il est vivant? Mais un document d'enquête qui a aidé à comprendre de A à Z qui ça qui passait exactement. Disparition Jimmy Danger a vini avec deux hypothèses. Nous parler de disparition parce que jusque-là, pour qu'on ait une preuve physique de la mort Jimmy Danger. Première hypothèse, Jimmy Danger mourit réellement. Deuxième hypothèse, Jimmy Danger pas mourit et c'est à vaillon simulation. Ça que scientifiquement que Aurélie, yon pseudocide. Qui ça qui yon pseudocide exactement? Yon pseudocide, c'est les moun fait semblant ou bien li feinté que li mourit. Yon analyse scientifique et technique de tous les deux hypothèses yo a aidé nous comprendre qui ça qui passait exactement et qui sa situation en yé. Première hypothèse, Jimmy Danger mourit. Et qui principal indice nous gagnons pour expliquer ça? Premier indice, tout le monde a constaté depuis 18 août, Jimmy Danger était présenté de signes de maladie. Et lui-même en personne lui a expliqué ça. Sous dernière photo ça, nous avons remarqué que visage Jimmy Danger pas trop en forme. Et plusieurs journalistes, plusieurs monde ont fait remarque là. Donc ça c'est un indice qui va permettre que un monde croit vraiment que Jimmy Danger t'a qu'à mourir. Parce que certainement s'il était malade, c'est capable d'une cause de décéder. Deuxième indice fiable, c'est apparition maman Jimmy Danger qui apparemment reconnaît que petite lui mourir. Troisième indice fiable, de journalistes crédibles publier que Jimmy Danger réellement mourir. Même si plusieurs autres monde t'ont dit ça, plusieurs autres influenceurs et influenceuses, mais pas de monde qui pas connaît que depuis c'est un journaliste crédible qui baille une nouvelle, ça capable un bon indice pour faire croire tout le monde que Jimmy Danger lui réellement mourir. Quatrième indice, c'est ava yon photo que yon publié de Jimmy Danger sous cabane l'hôpital. Est-ce que réellement photo ça, c'est vrai visage Jimmy Danger? C'est vrai maladie qui a déformé visage monde, mais seul yon analyse scientifique qui permet nous comprendre est-ce que réellement c'est Jimmy Danger. Et pour nous joindre une bonne réponse là, n'a commencé pas passer photo ça dans le laboratoire scientifique et technologique qui pi poussé. Là, c'est photo maladie Jimmy Danger ou encore photo cadavre Jimmy Danger qui sont une photo qui fait un pile buzz sur réseau a que moun publié. En pile moun désespéré, les ont gardé photo ça vraiment. Après, on recherche vraiment technique de photo a que nous jeunes qui publié sur plusieurs sites et plusieurs pages réseaux sociaux. Nous finis par retracer et tomber sur une information qui est intéressant et qui suscitait attention. En fait, nous joignons que même photo a été publiée dimanche 5 avril 2021 dans le cadre d'assassinat d'un chauffeur motocyclette dans la Lamantin 54 dans Carrefour qui relait Saint-Ville-Thomas, alias T. Lucien. Bon, mais pas rien qui dit que l'information ça était fiable dans le moment que a été publié là, puisque nous connaissons le mois d'avril, même si ce n'est pas le premier, c'est le mois poisson d'avril. C'est le mois que a en pile fausse information. Mais cependant, qui côté photo ça passé puisque en 2021, il était publié. Donc si réellement photo ça était publié le 4 avril 2021, en aucun cas, li pa ka Jimmy Danger. Nous enquêter et chercher toute nouvelle qui gagne pourrait avec Lamantin 54. Chercher tout chauffeur qui relait Saint-Ville-Thomas et tout accident qui était fait dans l'époque là pour essayer de joindre une photo similaire mais en vain. Cinquième indice qui va permettre moun croire réellement que Jimmy Danger mourit. C'est publication Jimmy Danger dans liste cadavre que Maison Funéraire Blandino en République Dominicaine publié dans le cadre service nécrologique pour vendredi 13 octobre. Dans liste ça, nous avons remarqué clairement que non, il y a un certain Jimmy Simas. Côté que vous fait quoi que dépouille a exposé dans Chapelle Santiago de 1h à 2h après-midi. Et après, il y a le boulet quoi.
N'a pas rappelé très bien que dans un live, Madame Jimmy Danger t'a fait avec un proche. Il t'a fait comprendre que corps Jimmy Danger là, alors que nous savons très bien que Maison Funèbre t'a noté, corps a taboulé après. Donc là, il y a une confusion. Et dans le cadre de service nécrologique pour journée, vendredi 13 octobre 2023, Maison Funéraire Blandino en République Dominicaine, t'a gagné près de 17 cadavres qui ont été gagnés pour funérailles fêtes. Parmi eux, Jimmy Simas, alias Jimmy Danger. Est-ce que c'est réellement Jimmy Danger, Rockstars, que tout le monde connaît et tout le monde a parlé de l'IA? Est-ce que pas gagné on l'autre Jimmy Simas qui peut-être mettait tout le monde en confusion avec l'information ça? Et c'est ça nous pas chercher pour. Effectivement, après un pile recherche, nous joignons deux articles qui sortis sous un certain Jimmy Simas. Exactement au palais de Rockstars, mais cette fois-ci, nous avons constaté que dans l'âge-là, il y a une erreur. Puisque pour Jimmy Simas, il mettait l'âge-là, c'est 63 ans. Mais bizarrement, Jimmy Simas, qui a 63 ans, ça, l'enterrement le chantait tout 10 octobre 2023. Est-ce que c'est une erreur qui a dans l'âge de Jimmy? Nous pas connaît. N'a pas continué à chercher un indice. Nous même tombés sur une vidéo nécrologique, sur une chaîne qui relait RG Tech. Mais cette fois-ci, c'est toujours Jimmy Simas qui mourit, musicien comédien, alias Jimmy Danger. Mais l'âge-là, c'est 58 ans. Est-ce que c'est des Jimmy Danger haïtiens à parler Rockstars? Nous pas connaît. Dans croyance haïtien, nous c'est un peuple qui vraiment sceptique. Et encore, nous plus mystiques que scientifiques. Avant yon haïtien récit quoi que yon moun mouri, faut que non seulement l'Itaoué avec Dejil, et même les Liwel ensemble avec Dejil, là encore, la très difficile pour le quoi que le mouri tout bon. D'ailleurs, moun pas jam mouri bon mot en Haïti, yon seul indice crédible, ta permettre que moun yon comprenne et quoi vraiment que Jimmy Danger mouri, c'est ta va ouais que enterrement fait, li longe dans sekay jusqu'à ce que li rentre dans cave. Et même là encore, nan aswe, gen moun kap di yo te tande Jimmy Danger qui a passé. Après analyse de hypothèse la mort réelle Jimmy Danger, maintenant place à yon analyse sous hypothèse yon simulation la mort. Est-ce que Jimmy Danger mourit réellement? Est-ce que c'est avay yon pseudocide? Est-ce que gen moun ki simulé la mort déjà? Seul yon analyse de tout indicio a permettre nous poter une solution pour. En juin 2023, David Burton, qui c'est yon TikToker qui aurait les Ragnar le Fou, li fait une simulation la mort. Dans simulation ça, même petite fille écrit sur réseaux sociaux: adieu papa, t'es vraiment important pour nous. Et en vérité, tout ça qui vient pour être avec préparation la mort t'est fait pour Ragnar le Fou. Affiche, publication Maison Funèbre, dédicace et condoléances approchent-les. Ragnar le Fou, qui fête le 26 octobre 1977, t'est déclaré comme mort réel. Tout le monde, toute plateforme t'a parlé de lui. Et dans l'enterrement, c'est un véritable obsèque. C'est qu'il est exposé normalement avec photo, toute famille présente. Finalement, nan moment enterrement pral fini, Ragnar le Fou sorti non hélicoptère et li descend. C'était une surprise totale et c'est là yo t'a pral vinn découvrir que c'était juste une simulation de mort. Et Ragnar le Fou organisé tout ça, li monté tout scénario ça en complicité avec madame li et en grande partie dans famille li. Est-ce que c'est avay une situation comme ça qui rivé avec Jimmy Danger? Mais qui raison qui ka pousser yon moun fait ça orelé un pseudocide? À plusieurs reprises, gen moun ki kon gen gros dette, ki kon nan relation ki vraiment pénible, ki kon ap men une série de vie de misère ou du moins ki dans des situations vraiment compliquées, et bien yo pa wè l'autre bagay que disparaître dans la nature et faire une simulation la mort. Mais attention, gen plusieurs moun ki tenté faire ça et yo arrêté yo pour escroquerie. Est-ce que Jimmy Danger ta simulé propre la mort? Enquête là à peine commencé. Direction Canada, côté de procédés scientifiques et techniques, a permis de nous donner tout dernier vol à tout avion que Jimmy Danger te prend.
C'est un exercice très complexe et qui mande un pile moyen. Enquête ça a mené nous vers un résultat scientifique pour permettre de comprendre est-ce que réellement vrai Jimmy Danger li mouri ou est-ce que c'est une simulation de la mort. Abonnez et suivez page là pour suite enquête là.